Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que pour après le temps, je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur pour sa vie. Pour mettre sa vie dans la que Dieu te bénisse encore. Shalom, shalom. Est-ce que vous pouvez m'aider en saluant votre voisin? J'aime parfois le dire, ma main ne peut pas arriver chez tout le monde, mais néanmoins, votre voisin peut me remplacer. Alléluia. Recevez également nos salutations dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je suis serviteur de Dieu, je suis un frère en Christ. Je m'appelle Francis Ngawala, je suis marié à une seule femme. Et je suis père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Amen. J'ai des très 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 beaux enfants. Mes enfants ont pris le teint de mon corps qu'on ne voit pas. Vous savez, ici au dos, je suis très clair. Et mes enfants, ils sont comme ça. Amen. Alléluia. J'aimerais également remercier le pasteur Douglas pour cette invitation et je sais que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Mais également remercier ceux de l'église qui, même quand nous sommes au pays, continuent à nous écrire, à entretenir un contact avec nous. Ça nous fait énormément plaisir. Amen. Avec votre permission, nous allons nous lever et nous allons parler à Dieu. J'aimerais que ce matin, tu dises au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais entendre ta voix, j'aimerais comprendre ta parole. » Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce ce matin. Nous te louons, Seigneur Jésus, et nous voulons le dire de tous nos cœurs, tu es Dieu. Et en dehors de toi, Seigneur, il n'y en a point d'autre. Merci de bénir ta parole ce matin et merci de nous avoir rendus éligibles pour l'enseigner. Avec le Saint-Esprit, nous prions, nous disons au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prenez avec moi Genèse 17. Nous parlons sur El Shaddai. Genèse 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Genèse 17. Genèse, c'est juste après le livre de Jérémie dans la Bible. Donc quand vous tombez sur Jérémie, le livre d'après, c'est Genèse. Amen. Vous savez, il y a quand même des gens qui y ont cru. Hein? Alléluia. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre. Et Dieu lui dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je ferai beaucoup proliférer
je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Exode 20, verset 5 à 6. Exode 20, verset 5 à 6. La Bible dit: tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Amen. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci. Lorsque vous lisez la Bible, Abraham avait déjà reçu des promesses de la part de Dieu. Le Seigneur lui avait déjà dit qu'il deviendrait une grande nation. Le Seigneur lui avait déjà dit qu'il rendra son nom grand. Le Seigneur lui avait déjà dit que toutes les nations, que tous les peuples seront bénis en ton nom. Amen. Mais une chose est terrible, la promesse de Dieu à Abraham devient effective. Ça veut dire, elle entre dans son stade de maturité et d'effectivité au moment où Abraham rencontre le Seigneur sous le nom de El Shaddai. Autrement dit, la promesse, il l'avait déjà. Mais quand Dieu se présente à lui en disant: je suis le Dieu tout-puissant, voici ce que je ferai. Amen. Directement, la promesse, non seulement elle prend forme. Avant, elle était en gestation, mais là, la promesse devient effective. Premièrement, Dieu change son nom en Abraham. Et deuxièmement, Isaac arrive prochainement. Amen. La dimension dans laquelle nous rencontrons Dieu, c'est également la dimension dans laquelle Dieu opère dans nos vies. Nous pouvons tous aller vers le Seigneur. Nous pouvons tous rencontrer Dieu. Bien-aimés, même ceux qui seront en enfer, ils rencontreront Dieu. Mais sauf qu'en enfer, Dieu sera un juge. Dieu sera là pour appliquer ses propres châtiments sur ceux qui se retrouveront de l'autre côté de la barre. Amen. Amen. La dimension dans laquelle tu rencontres le Seigneur, la dimension dans laquelle le Seigneur te touche, c'est également dans cette dimension-là que tu garderas l'impact dans ta vie. Lorsque Dieu se présente à Abraham dans Genèse 17, il lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Mais le nom connu de Dieu antérieurement était El Elyon, qui donne également le Dieu très haut, qui veut dire aussi le Dieu tout-puissant. Lorsqu'Abraham rencontre Melchisédek, qui était une typologie de Christ, amen, hein, sans être Christ, j'insiste, amen. C'est pourquoi nous avons été élus pour faire partie de l'ordre de Christ. Et Christ ayant lui-même reçu l'ordre de Melchisédek, dans lequel il ne nous amène pas, nous ayant légué son ordre à lui. C'est pourquoi nous n'allons pas nous faire baptiser du baptême de Jean-Baptiste, mais nous nous faisons baptiser du baptême de Christ, étant donné que la typologie prépare le chemin de celui qui va être établi. Et quand le roi est là, on ne cherche pas le premier ministre, à moins qu'on soit dans un régime parlementaire. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Dis un peu à ton voisin, tu ne peux pas chercher le second pendant que tu peux aller vers le premier. Et j'ouvre une parenthèse, une grande parenthèse. J'assume ce que je dis et cela est biblique. C'est pourquoi nous ne faisons pas partie de l'ordre de Melchisédek. Mais nous faisons partie de l'ordre de Christ. Amen. Je ferme la parenthèse. Amen. Lorsque Abraham rencontre Melchisédek, Melchisédek bénit Abraham au nom de El Elyon, le Dieu très haut. Amen. Et chez les Sémites, El Elyon est égal à El Shaddai. Ce qui signifie ceci, que lorsque Abraham a rencontré El Elyon, il a rencontré El Shaddai,
jusqu'à la fin de sa vie, Abraham a commencé à bénir tout le monde au nom de El Shaddai. Il a commencé à bénir tout le monde au nom de El Elyon, le Dieu très haut. Lorsqu'Abraham bénissait les autres, il a béni même ses fils au nom de El Elyon. Il comprenait la hauteur, la grandeur et la valeur de ce qu'il posait comme acte. Étant donné que la dimension dans laquelle on opère avec le Seigneur, ce n'est que dans cette dimension-là qu'on peut entraîner les autres à la bénédiction. Tout homme de Dieu peut parler de Dieu, mais tout homme ne peut pas conduire les autres à la bénédiction. Est-ce qu'on m'a compris? Si celui qui vous parle par la foi a la foi sur les choses desquelles lui-même vous parle, c'est déjà un problème. Quelque part, il faut que lui-même ait vécu un peu. Parce que sa foi doit être enrichie et le peuple ne doit pas arriver à la même dimension de foi que lui. Amen. Si Abraham a attendu Isaac des longues années, des décennies durant, Isaac n'a pas attendu ses jumeaux des décennies durant. Parce que quand Abraham bénit Isaac au nom de El Elyon, il se cache qu'il est aussi le Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi lorsque le serviteur dit à Abraham, il dit le fils, papa, je vois les bûches, je vois de quoi faire le feu, mais je ne vois pas l'agneau. J'aime la réponse du père. Il dit, sur la montagne, ça veut dire, c'est dans les hauteurs que Dieu se montrera Dieu et il pourvoira. Est-ce qu'on me comprend? On ne peut pas séparer la puissance de Dieu avec sa capacité de nous bénir. Une des choses que l'église pentecôtiste est en train de commettre comme péché aujourd'hui, c'est de dire aux gens que nous pouvons aller au ciel, mais sans leur dire que le Dieu qui nous amène au ciel a aussi la capacité de régler nos problèmes. Vous savez, de plus en plus, les gens ont envie que Christ revienne tout de suite là. Non pas parce qu'ils ont le désir de voir Dieu, mais parce qu'ils ont le désir de voir leur misère s'achever brutalement. Vrai ou faux? Et l'une des erreurs que l'Église a commises était justement d'amener les gens au ciel avant que Dieu n'ait ouvert les portes. Je vais te révolter un peu. La Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous qui serons vivants, nous allons monter avec eux au ciel. La Bible n'a jamais dit que les morts en Christ monteront avant. Ce n'est pas une promotion de mourir tôt. Et ce n'est pas une promotion non plus de mourir pauvre. Pourquoi les morts en Christ doivent ressusciter avant? Parce qu'ils sont en dessous là-bas. Le temps d'atteindre le niveau du sol, on est pareil et on part. Dis à ton voisin, tu n'as pas intérêt à mourir avant. Dans les visions où on voit les gens morts en train d'adorer Dieu, ce sont des visions qui sont en train de parler de ce qui va arriver. Est-ce qu'on m'a compris? Donc si tu meurs maintenant, la Bible dit tu iras dans le repos, tu n'iras pas chez Dieu directement. Comment? Dis à ton voisin, toi tu ne peux pas aller avant moi. C'est pourquoi tu as l'obligation de vivre longtemps. Et je t'interdis de mourir tôt au nom de Jésus. J'ai dit, je t'interdis de mourir tôt au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque Dieu se révèle à Abraham comme El Shaddai, il se révèle aussi comme le Dieu qui apporte la fertilité. Est-ce qu'on me comprend? Et je dis ce matin que dans tout ce que tu entreprends, il faut que le Seigneur apporte la fertilité au nom de Jésus. Amen. Je dis bien, il faut que le Seigneur apporte la fertilité. Le Seigneur m'avait dit de vous parler comme ça. Bien-aimé, le seul moment où Dieu accepte que son oin passe par le désert, c'est lorsqu'il veut parler à son cœur. Le désert n'est pas important lorsque tu as déjà entendu le cœur de Dieu te parler. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que le désert ne peut pas constituer un objectif, c'est un passage. Donc c'est anormal que ta pauvreté puisse durer longtemps. Si tu es encore dans la pauvreté, tu es encore dans la dèche comme vous dites ici, il est quelquefois important que tu dises à Dieu, j'ai chassé la pauvreté, elle n'est pas partie, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que la pauvreté ou le désert, c'est un temps durant lequel le Seigneur parle à ton cœur.
Il a dit ceci dans Osée. Il dit, j'ai conduit ton cœur dans le désert afin de parler avec toi. Bien-aimés, ceux qui ont déjà trouvé ne cherchent plus, ils vivent. C'est pourquoi quand El Shaddai vient dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il fera, ce sera de sécher ta sécheresse. Ce sera d'ôter la chose qui fait que les gens ne sont plus qualifiés à servir Dieu. Bien-aimés, nous sommes en France, le plus grand pays de la franc-maçonnerie au monde, avec Israël et les États-Unis. Et j'aimerais vous dire des vérités. Les gens ne viendront pas dans nos églises pour qu'on leur promette le ciel. Ils viendront aussi dans nos églises pour qu'on leur dise que leur situation va changer et qu'on prie pour que ça change. C'est pourquoi nous avons des gens dans les églises qui deviennent des hypocrites et qui, lorsqu'ils sortent d'ici, ils deviennent membres des loges de Rose-Croix de franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que nous, tout ce qu'on leur a offert, c'est le ciel. Nous avons oublié que la Bible dit que le Dieu de paix te donnera la paix de toute manière. Un homme qui vit dans la pauvreté ne connaît pas bien la paix. Est-ce que vous savez que les pauvres sont nerveux? Et ils parlent en criant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'homme riche ne crie pas. Parce que le pauvre fournira toujours l'effort d'écouter ce qu'il dit. C'est pourquoi la Bible dit le pauvre qui souhaiterait être son ami. Bien aimé, pendant longtemps on nous a bourré la tête en nous faisant croire que les pauvres vont hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas écrit. Est-ce qu'on m'a compris? Si le royaume des cieux appartenait aux pauvres, alors il y aurait eu des problèmes. Si Christ payait les taxes, c'est parce qu'il prélevait les dîmes et les offrandes. On ne taxe pas un homme qui ne gagne pas. Donc même s'il est né sur une étable, il est mort à la croix, mais entre l'étable et la croix, il a payé les taxes parce qu'il a prélevé les dîmes et les offrandes. C'est pourquoi l'État pouvait lui dire, en fonction de ce que tu gagnes, vu ta comptabilité, étant donné que la TVA est d'autant, paye autant. Et Christ n'a pas payé une pièce d'argent, une pièce d'or. On ne paye les taxes que dans la nature de ceux qu'on gagne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si Christ a payé avec des pièces d'or, c'est que Christ gagnait aussi beaucoup. Dis à ton voisin, mon Dieu n'est pas pauvre. Bien-aimé, on a trop fait entrer dans la tête des gens que Dieu était comme un vieux fatigué, pauvre comme tout, qui est contre les gens qui prospèrent. Bien-aimé, l'évangile de prospérité n'existe pas. Il n'existe que l'évangile de Christ. Mais c'est dans l'évangile de Christ qu'il y a la prospérité. Pourquoi vous voulez combattre l'évangile de prospérité? Combattez aussi l'évangile de l'onction. Parce que c'est Christ qui donne le tout. Est-ce qu'on m'a compris? Quand on rencontre El Shaddai, c'est bien de grandir dans la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, lorsqu'elle coule dans ta vie et qu'elle ne fait pas évoluer ce que tu es, tu finiras par devenir aigri. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je peux vous parler librement. Une personne qui a beaucoup d'onction et qui a trop de problèmes devient aigri. Même ses prophéties ne sont pas agréables. Je vous dis, une personne aigrie aura du mal à te dire que Dieu va te bénir. Parce que lui-même n'est pas béni. C'est pourquoi chez nous en Afrique, des fois quelqu'un qui n'a jamais vu rien que la ville d'en face, quand il prophétise pour l'autre, il dit, je t'ai vu, tu es béni. J'ai vu, tu as pris un avion. Quand prendre l'avion devient une bénédiction, c'est un problème. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est la dimension dans laquelle on a rencontré Dieu qu'on va également conduire les autres. Et moi j'aimerais t'amener toi ce matin à ce que tu puisses te défaire d'une certaine conception. Le Dieu Tout-Puissant ne fait pas seulement marcher les paralytiques, il bénit aussi ses serviteurs. La foi à la guérison est plus dure que la foi à la prospérité. La prospérité joue sur le visible, mais la guérison joue sur l'invisible. Pourquoi nous parvenons à croire que Dieu peut guérir les malades, mais nous sommes incapables de croire que Dieu peut donner aux gens l'argent, que Dieu peut rendre les gens riches? Pourquoi est-ce que nous sommes incapables? Et d'où vient la limite? Ce ne sont pas toujours les démons, mais la première limite que l'homme connaît, c'est dans sa propre tête.
Parce que la limite que tu te fixes, c'est celle que Dieu respectera. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Donne-moi un amen bien. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? On nous a trop présenté un Dieu pauvre, allant jusqu'à nous dire, d'ailleurs, Christ a dit qu'il est difficile pour un pauvre, pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. C'est comme un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Frère, le trou d'une aiguille là, c'était une métaphore. Parce qu'en Israël, la ville était entourée de murailles. Et derrière la grande porte, c'est là que le roi siégeait souvent avec ce qu'on appelait les sénatores. Ça veut dire les personnes mises à part. Les marchands ne pouvaient pas entrer par cette rue là. Et ils étaient obligés d'entrer par une porte détournée de l'autre côté. Et cette porte là n'était pas très grande parce qu'on évitait les invasions. Amen. Et qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque les marchands chargeaient leurs chameaux, arrivaient à cette porte, on déchargeait les chameaux entraient, ensuite on les rechargeait. Le fait de les décharger et de les recharger, c'était une peine endurée. Et c'est comme ça que les gens de la ville avaient surnommé cette porte le trou d'une aiguille. Amen. Et la métaphore est simple. Donc quand tu viens avec ta richesse chez Dieu, oublie un peu qui tu es. Entre en Christ, ensuite prends qui tu es, remets ça sur toi. La simplicité n'annule pas la vérité sur ce qu'on a. Et sur terre, on cherchera à savoir qui tu es en fonction de ce que tu as. Si tu attends que Dieu commence à révéler aux gens qui tu es, tu attendras longtemps. Même dans votre quartier, c'est celui qui a la plus belle voiture qu'on cherche à savoir c'est qui. On pensait que ça n'existait que chez nous en Afrique, même ici. Quand quelqu'un passe avec une belle voiture, tout le monde regarde, c'est qui, c'est qui. Quand il passe avec des motards devant, tout le monde s'arrête, c'est qui, c'est qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, nous sommes dans un monde où le diable est tellement parvenu à mettre dans la tête des enfants de Dieu et à la tête des enfants du monde que suivre Christ, c'est souscrire à la pauvreté. Vrai ou faux? Et de plus en plus de personnes ont du mal aujourd'hui à se consacrer avec, dans leur marche avec Christ parce qu'ils ont peur de subir la pauvreté. Bien-aimé, le Dieu que moi j'ai rencontré, il n'est pas pauvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et malheureusement, c'est la partie de l'évangile qu'on nous présente le plus. Quand quelqu'un vient voir son pasteur, il est fauché. Le pasteur dit, non frère, ne crains rien. Un jour dans le royaume des cieux, nous aurons tout. Mais le problème dans le royaume des cieux, tu régneras sur qui? Parce que nous tous, nous serons soumis au règne d'un seul. C'est ici que tu peux avoir des domestiques. C'est sur terre que tu peux être bien. Et c'est sur terre qu'on peut savoir que tu es différent. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la puissance de Dieu ce matin va travailler à ce que toi aussi tu deviennes riche. Bien-aimé, réunis tes idées. Accouche-les sur papier. Commence à prier avec. Tu as la force de prier lorsqu'il y a des problèmes dans la famille, mais tu n'as pas la force de prier pour ta propre pauvreté. C'est un problème. Tu dois commencer à prier. Accouche tes idées sur un papier. Parce que seules les personnes qui savent mettre les idées sur les papiers deviennent intelligentes. Mets tes idées sur un papier. Viens devant Dieu. Mets une chaise en face de toi. Dis à Dieu, assieds-toi. Par la foi, il sera là. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai un projet. Voici mon projet. Tu dis quoi? Le problème maintenant, c'est lequel? C'est que des fois, nous disons à Dieu, j'ai un projet, voici mon projet. Mais la voix silencieuse de Dieu, nous ne l'entendons pas quand Dieu dit, où est ma part? C'est dans l'église que vous voyez des gens attendre d'être bénis pour 3 millions d'euros, mais apporter une semence de 300 euros. Quelle est cette affaire sur la terre qui peut vous donner 3 millions avec une semence de 300? Nous avons déjà des pensées d'escroquerie spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la conséquence c'est laquelle? C'est que nous sommes en train de travailler contre notre propre bénédiction.
Bien-aimés, les actes que nous posons, nous devons les poser en sachant que nous sommes en face d'un Dieu puissant. Et que ce Dieu-là agira, il ouvrira les portes certainement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi, je crois en ton avenir. Je crois que demain, tu es appelé à devenir quelqu'un d'important. Mais tu ne deviendras pas quelqu'un d'important en continuant à laver les assiettes. Ah non, je m'excuse. Mais c'est ça la vérité. Un homme me disait un jour, ce sont les réalités de l'Europe. J'ai dit oui, mais dans les réalités de l'Europe, il y a quand même des gens qui sont bien. Pourquoi est-ce que toi, tu ne crois pas que tu puisses faire partie de ces gens-là? Pourquoi tu crois que ton Dieu est tellement pauvre, tellement faible, qu'il ne peut que te maintenir parmi les personnes qui sont à la queue et jamais parmi les personnes qui sont à la tête? C'est pourquoi je commande à la bénédiction ce matin de commencer à travailler aussi pour toi. Même les amen deviennent rares. Quand vous ne dites pas amen, si le voisin est béni, vous serez le premier à dire on priait ensemble, lui comment il est devenu il a touché. Il a touché à des mystiques. On a même développé une sorcellerie à l'église. De croire que ceux qui sont bien trichent. Donc au plus profond de nous-mêmes, nous sommes convaincus qu'il faut être, il faut pas être bien ou prétendre prier. C'est un problème sérieux. Et cela, nous devons déraciner ça dans nos têtes. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est important, mes bien-aimés, certaines paroles, quand tu les écoutes, il faut les déraciner. On a trop entendu des paroles. Frère, ne pleurez pas. Même dans la pauvreté, Dieu va vous exaucer. Mais le premier exaucement qu'un pauvre attend, c'est que sa pauvreté cesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Moi, quand j'ai compris ces choses dans ma vie, je suis entré dans ma chambre, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je déracine toutes les pensées de défaite. Je déracine toutes les idées de pauvreté. Je déracine ces choses au nom de Jésus. Je déracine ces choses au nom de Jésus. Pourquoi nous devons être les premiers seulement dans le spirituel et pas dans le physique? Or, une bénédiction qui n'est que contenue dans le physique n'est pas importante. Nous sommes des êtres terrestres. Et nous devons manifester pleinement ce que le Seigneur a gardé pour nous. Est-ce que vous savez que quand nous nous étions convertis, moi je suis converti, ça fait 23 ans. Quand nous étions convertis, si vous dites à une maman, ta fille va épouser un pasteur, c'est une malédiction. Hein? Les pasteurs que nous avions trouvés ne nous donnaient pas envie de nous convertir. Quand on te dit c'est un frère, donc c'est un frère, était vraiment un frère. Donc quand il parle à la sœur, aucune élégance, aucun charme. Tissé, mon cerf. Faut pas t'y suivre ça. Nous allons aller dans la ciel. Dieu va faire. Je ne vais pas vous tomber dans la grandzie. Dieu va faire. C'était ça le genre de frère que nous avions trouvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Heureusement qu'on est tombé sur un pasteur qui disait tous les dimanches, mettez des costumes cravates. Venez à l'église comme on va au bureau, Dieu vous bénira. Et dans cette église de la borne où je me suis converti, j'ai vu des gens commencer à venir à l'église en voiture. Or nous, quand nous étions de l'autre côté, quand c'était le dimanche, on nous mettait les sandales. Papa qui a mis les chaussures toute la semaine, le dimanche il mettait des sandales. Il prenait un air pieux. Et on partait à l'église. On partait à l'église. Quelle hypocrisie. Amen. Entre nous soit dit, l'évangile a beaucoup évolué. Du moins en aspect. Et je crois de tout mon cœur que ce n'est pas encore assez. Et donne-moi un amen bien. Je répète, ce n'est pas encore assez. Un jour, je me suis retrouvé à l'église de T.D. Jakes. C'était à Dallas. Je me suis fâché en bien. Cet homme a prêché pendant 3 heures au culte de la semaine. Quand il finit, il dit, chez nous ici, il n'y a pas de panier. Venez déposer vos offrandes devant. Et on était à peu près 2000 personnes. Hein. Il dit que chacun amène 20 dollars. Nous autres, on a tellement la foi. Moi, j'ai apporté 120 dollars. Et il fallait déposer ça sur l'esplanade.
quand on approche pour déposer, vous savez, moi je suis un bon Africain, hein? Je connais l'odeur de l'argent. Donc quand j'arrive, je dépose mon argent, je vois des frères et sœurs qui viennent déposer des liasses comme ça. Moi-même, je me suis dit, sachant que nous sommes aux États-Unis, le pays où tout le monde a une carte, étant donné que on est dans un pays où les gens se promènent rarement avec la liquidité, comment ces gens avaient autant d'argent dans leur poche? C'est que depuis leur maison, ils avaient déjà préparé ça pour leur Dieu. Et ils ont commencé à déposer. Même mes 120 dollars là que je pensais être beaucoup, c'est devenu petit. Est-ce qu'on me comprend? Non, frère, qu'on ne vous trompe pas. J'ai vu des gens être bénis. Un frère est venu déposer 10 dollars ou 5 dollars. À peine il veut quitter, le bishop T.D. Jakes lui dit, reviens. Il revient, il dit à cet homme, il dit, tu ne pries pas ici. Hein? L'homme dit, c'est la deuxième fois. Il dit non, c'est la première fois que tu viens. Ce n'était pas une parole de connaissance. Il lui dit, dans mon église, on ne donne pas comme tu as donné. Frère, lève-toi, tu es pauvre. Église, venons les bénir. Le frère a reçu des gifles financières. Rien que pour le culte, le frère s'est retrouvé avec à peu près, je n'exagère pas, 80 000 dollars. Et le pasteur dit, dimanche, on va faire une offrande pour ses frères. On doit changer sa vie. Un homme pareil, vous n'avez plus besoin de lui dire Jésus est Seigneur. Jésus est déjà devenu Seigneur. Frères, sœurs, écoutez-moi bien. Certaines personnes, vous ne les gagnerez qu'en leur démontrant de quoi votre Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Certaines personnes, vous ne pourrez les gagner à l'évangile que le jour où vous leur montrerez et démontrerez que notre Dieu est plus riche que toi, il est aussi capable. Combien de fois sur le terrain de l'évangélisation, les gens ne nous disent-ils pas, mais si vous vous priez, mais vous n'avez rien? Combien de fois? Et des fois, vous comptez sur les dons spirituels et vous lui dites, bon, s'il y a un malade ici, il peut venir, je prie. Non, il n'y a pas de malade. Donc, ils ne croient pas à ce que vous avez dit, ils ne croient même pas à ce que vous avez fait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un homme est allé en évangélisation. Il entre dans la maison d'un homme riche. C'était au Nigeria. Quand il entre, il a mis une chemise, manches longues. Il est en train de lui parler de Christ. Alors l'homme le regarde avec dédain. Vraiment, il le prend de haut. À un moment, le stylo tombe. Et l'homme qui est venu évangéliser s'accroupit, il se baisse pour ramasser le stylo. En se baissant, la manche de la chemise s'est retroussée. Tout à coup, l'homme à qui il parlait est redevenu normal. Oui, oui, vous disiez? Oui, oui, recevoir Jésus. Je veux recevoir. Et l'homme lui pose la question. Est-ce que je peux vous poser une question, frère? Oui. Où avez-vous acheté cette montre? Il dit, celle-ci, j'ai acheté à Londres. Il dit, vous avez acheté dans quel magasin? Il dit à cet homme, j'ai acheté dans tel magasin. C'était 350 000 dollars. Maintenant, l'homme dit, ah, c'est donc vous. J'avais réservé cette montre parce que je n'avais pas assez. Et plus tard, quand je suis revenu, on m'a dit qu'il y a un noir qui est passé et qui a acheté. Écoutez, du coup, l'homme dit, ah, cette montre, oh, non, mais je peux vous l'offrir. Quand il lui offre ça, l'homme, du coup, il demande, l'église c'est où? Je viendrai à l'église. Bien-aimé, dis à ton voisin, il faut changer la manière de voir. J'ai toujours dit, si quelqu'un te montre le royaume des cieux sans te dire comment on doit être bien dans la vie, il ne t'aime pas bien. On ne peut pas que vivre avec l'espérance de la vie éternelle. Cette espérance de la vie éternelle doit être entretenue. Est-ce qu'on me comprend? Et elle ne peut être entretenue que lorsque dans ta vie, tu es en train de connaître un vrai équilibre. Pourquoi est-ce qu'il est de nos sœurs qui se prostituent? Pourquoi est-ce qu'il est de nos sœurs qui vont devenir des deuxièmes bureaux, troisième tiroir? Mais généralement, si pas toujours, c'est pour de l'argent. À l'église, elle est sérieuse. Mais dans la vie courante, elle n'a rien à manger. Elle est obligée de faire quoi? De sortir avec son patron. Pourquoi?
pour protéger son emploi, pour envoyer de l'argent en Afrique et pour être bien. Bien-aimé, c'est pourquoi l'Église doit prendre la responsabilité de prier pour votre bénédiction. Et dans votre bénédiction, il n'y a pas que la santé physique, morale et mentale, mais il y a aussi la santé financière. Et je dis à quelqu'un ce matin, le Dieu que nous servons va travailler à ce que tu aies une bonne santé financière. Il va travailler à ce que tu aies une bonne santé financière. Bien-aimé, si dans la famille, on sait que tu pries et que tu vieillis dans la pauvreté, les gens vont douter de ton Dieu. Vrai ou faux? Les gens vont douter de ton Dieu. Vous savez, des fois, moi, à Kinshasa, il arrive que les membres des familles te disent, moi, j'habite trop loin, je ne sais pas venir à l'église. Mais quand il te dit, j'ai besoin de 10 dollars, j'ai besoin de 100 dollars, tu lui dis, viens me voir après le culte, contraint d'assister au culte. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimés, les moyens que Dieu nous donne, nous devons apprendre à utiliser ça pour gagner les autres. Et la pauvreté n'est pas un mode d'évangélisation. Dis un peu à ton voisin, la pauvreté n'est pas un mode d'évangélisation. Eh, dis-le lui bien. Pasteur, la Bible dit le pauvre qui souhaiterait être son ami. Et je retourne la question. L'évangile prêché par le pauvre, qui souhaiterait l'écouter? Qui souhaiterait écouter l'évangile prêché par un pauvre? Qui? J'ai prêché dans une église aux États-Unis. La moitié des fidèles sans papier. La moitié de la chorale travaille avec des duplicata des documents du pasteur. Donc déjà le pasteur lui-même ne peut pas prêcher sur la sanctification. Et si la police débarquait en plein culte, ce jour-là le culte peut se terminer à 23h. Non pas parce qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais parce qu'ils craignent les menottes. Ils craignent d'être refoulés. Est-ce que Église, vous me comprenez? C'est pourquoi j'insiste, mes chers frères et sœurs. Il faut que ça change. Même notre manière d'offrir à Dieu doit changer. On ne doit pas continuer à offrir à Dieu comme si on était en train de donner un concert de pièces. Quand il s'agit de Dieu, ce sont des pièces. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, nous sommes prêts à sortir des centaines et des centaines d'euros pour aller acheter une paire de chaussures qui mourra demain. Alors que si nous donnons à Dieu, notre Dieu s'assurera à ce que la mort n'atteigne jamais nos finances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, chez nous à l'église, ce que j'ai appris à faire, même mes enfants, tous les dimanches, je leur remets de l'argent en disant, ça c'est l'argent de Jésus. Et quand tu leur donnes peu, ils disent, non papa, nous on ne peut pas donner peu à Jésus. Un jour, j'ai eu la honte de ma vie. Ma fille, ma deuxième fille me dit, papa, je veux des chips. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent. Elle est restée calme. Après, elle me sort une bombe. Mais papa, toi, tu sers Dieu, non? J'ai dit, mais Dieu ne peut pas te donner. Depuis, aujourd'hui, elle a 6 ans. Je n'ose plus jamais dire à mes enfants, j'ai pas d'argent. Donc, j'ai compris que ma pauvreté était une contre-évangélisation. Alléluia. Si Dieu encourageait la pauvreté, il n'aurait pas relevé Noé. Job, Dieu ne l'aurait pas relevé. De sorte que la Bible dise dans Job 42, verset 5. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Et quand vous descendez, la Bible dit, les filles de Job étaient les plus belles filles de la terre. Donc même la beauté des filles de Job a intéressé Dieu. Donne-moi la main bien. Puis vous avez des gens à côté dans l'église qui vont dire, oh moi peu importe comment la soeur est ou le frère est, tout ce qui m'intéresse c'est le cœur. Est-ce que le cœur là tu le vois? C'est pourquoi chez nous aux grands jeunes, je dis toujours aux soeurs, sois bien quand tu viens à l'église. On ne sait jamais. Et je leur dis toujours, ne venez pas à l'église comme si vous veniez vider les poubelles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu dit à Abraham, je te rendrai fertile. Il n'y a pas de loi de multiplication lorsqu'il n'y a pas la fertilité. Et le Dieu que nous prions, si tu es stérile, tu vas avoir des enfants. Et le Dieu que nous prions dit que si tu es pauvre, commence par entreprendre quelque chose, même de petit, le Seigneur l'arrosera.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Le tout, c'est de croire et de savoir que derrière le peu que je fais, il y a une grande action divine. Et l'action divine de Dieu, elle va venir afin que ce dans quoi tu te trouves maintenant puisse aller de l'avant. Bien-aimé, j'aimerais parler clairement. Il faut que dans les années qui viennent, on sorte de nos églises des gens qui vont diriger des nations. Non, chrétien, il ne faut pas faire la politique. Mais voilà où nous en sommes. Vous laissez aux francs-maçons la politique, aux rosicruciens. Ils continuent à nous gouverner. Ils continuent à décider sur nous. S'il y avait des parlementaires chrétiens à l'Union européenne, le mariage homosexuel n'allait pas passer. Si le président Hollande était un bon chrétien, mais le projet sur le mariage homosexuel n'allait pas passer. Pourquoi est-ce que ces choses passent? Parce que ce sont des occultistes qui dirigent nos pays. Et nous, nous continuons à dire à l'église, n'allez pas faire la politique, n'allez pas faire la politique. Bien-aimé, la politique, c'est l'art de diriger les autres. Et c'est celui qui dirige qui a le dernier mot. On va subir. Vous savez, plus la pauvreté augmente, plus la taille de nos requêtes devient aussi grande. Hier, on priait, Seigneur, sauve la France, oh Dieu. Aujourd'hui, nous avons ajouté une autre requête. Seigneur, sauve la France, Seigneur. Que la loi homosexuelle puisse être abolie. Pourquoi les églises protestantes aujourd'hui acceptent les homosexuels? Mais c'est parce que ces églises reçoivent des subventions de l'État. C'est des églises dans lesquelles il y a beaucoup de membres qui sont pauvres. Mais le pauvre, dit à ton voisin, le pauvre n'a pas de voix. Parce que le pauvre murmure en cachette. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne changerons pas les choses. Pourquoi est-ce que même dans vos familles, quand c'est le riche qui a bouffé l'enfant, on dit il est dans l'occultisme. Mais quand c'est le pauvre, on dit il est sorcier. Alors qu'entre un sorcier et un occultiste, il n'y a pas de différence. Ils sont tous deux sorciers. Mais pour le riche, on soigne. On dit non, c'est pas un sorcier. C'est un occultiste. Mais l'autre là, notre grand-père là-bas, c'est lui, c'est un sorcier. Donc on est sorcier en fonction de son rang social et on est occultiste aussi en fonction de son rang social. Si la vieille grand-mère là qui tremblote comme ça, pauvre qu'elle est, elle laisse la nourriture dans une assiette, tu vois ton enfant manger. Et ramamamamama, pasteur Douglas, priez pour mon enfant. Il a mangé dans la même assiette que sa grand-mère. Mais le jour où la grand-mère est riche comme la madame Betancourt ici, mange. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Parce qu'au fond de nous, nous sommes plus que convaincus que le Dieu que nous servons est pauvre. Et que le Dieu que nous servons, il peut nous donner la bonne santé, mais il est incapable de nous donner une bonne situation. Moi, j'ai décidé, je dis bien, j'ai décidé d'être béni. Moi, j'ai décidé d'être béni. Et même à l'église, je dis toujours, il y a des témoignages qu'il ne faut pas venir donner ici. Oh, je loue Dieu parce qu'on m'a offert 100 euros. Garde ce témoignage-là. Ça n'édifie personne. Oh, hier, je n'avais pas mangé. Aujourd'hui, vraiment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné à manger. Garde ce témoignage-là. Oh, j'ai rêvé la nuit que j'ai eu 500 000 euros. Maintenant, quand je me suis réveillé, il n'y avait rien. Mais j'ai la foi que je les aurai. Garde ce témoignage-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des témoignages qui ne sont pas édifiants ou qui édifient votre pauvreté et qui assoient très bien votre pauvreté. Dans la vie, si vous fréquentez des gens qui sont comme vous, vous croirez que vous êtes arrivé. Dans la vie, lorsque la vie ne vous offre pas de challenge, allez auprès des gens dont la situation va vous challenger. Des fois, allez voir comment d'autres vivent. Ils ont le même sang que vous. Ça va vous révolutionner. Un jour, j'ai dit à un frère qui me conduisait, c'était à Dallas, je lui ai dit, amène-moi un peu dans le quartier de Bush et laisse-moi me promener à pied. Il m'a dit, prof, pour faire quoi? J'ai dit, non, je dois parler en langue. On est arrivé là-bas, je suis descendu, j'ai commencé à regarder ces maisons, j'ai parlé en langue en pleurant. À la fin, j'ai fini par dire, Seigneur, eux-mêmes, ils ne connaissent pas Dieu, regarde comment ils sont. J'ai dit à Dieu, non, ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu m'as dit que tu me béniras jusqu'à la millième génération.
mes enfants doivent s'inspirer de ma bénédiction. Il ne faut pas que je meure après avoir salué de loin le retour de Christ, que je salue aussi de loin ma bénédiction. Il n'y a que des généraux de Dieu pour le retour. Il n'y a pas de généraux de Dieu pour la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est impératif, bien-aimé, de commencer aussi dans des moments de prière. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais j'insiste. Il est même de ces gens qui n'arrivent pas à prier pour avoir l'argent. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils pêchent. Ils ont l'impression qu'ils deviennent mondains. Oh, toi le ciellois. Tous les matins, la préfecture est en train de chercher d'être régularisée. Va à l'église qu'on te régularise. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, frère, tu vois, les sœurs qui ont toujours des sacs Louis Vuitton, elles sont charnelles. Elles sont charnelles, trop accrochées aux choses du monde. Nous, on aime être équilibrés. Qui vous a dit que l'équilibre se trouve dans la médiocrité? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'équilibre se trouve dans la médiocrité? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui vous a dit que l'équilibre se trouve dans la médiocrité? Être équilibré ne veut pas dire être médiocre. Ça veut dire dans les choses de Dieu, tu es excellent. Mais dans les choses de ce monde qui ne sont pas péchés, j'insiste, tu es aussi excellent. Même dans l'église, on attend les soldes. Il paraît, moi je ne vis pas ici, quelqu'un m'a dit que dans les soldes, on ne trouve pas tout. Les meilleures choses partent déjà avant. Ou alors on les cache pour les personnes qui n'attendront pas les soldes. Dis un peu à ton voisin, il faut que ça change. De même qu'on attend les soldes, de même qu'on a soldé Dieu. Dieu dit, je te bénirai. C'est ça El Shaddai. Je te bénirai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la menace. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui vont dans la franc-maçonnerie. Ils cherchent à acheter une parcelle pour l'église. Après 10 ans de cotisation, 5000 euros. Et il rencontre un autre qui lui dit, tu veux que je t'aide à acheter l'église? Oui. Alors voici comment tu vas faire. On lui donne l'argent et après on lui dit, tu dois aussi prier avec nous. Mais puisque l'argent c'est un appât, qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà tombé. Et de plus en plus aujourd'hui, on nous amène des théories qui sont sorties des loges de la Rose-Croix. On vient de nous les imposer à l'église. Des fois nous savons que celui-là n'est plus avec Dieu. Mais nous lui laissons la chair. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a des contacts, il a des relations où il va nous bénir. Je parlais avec un homme, je lui ai dit, mon ami, je n'irai plus prêcher dans cette église-là. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, mais tu te rends compte que le pasteur sort avec la moitié de la chorale? L'homme me regarde et dit, ah bon? Je lui ai dit, j'ai des preuves. Écoutez sa réponse. Il dit, mon cher, moi les jours où j'ai prêché là-bas, on m'a payé 5000 euros. Écoutez ce qu'il me dit. Prof, tu sais, quelquefois, il faut savoir fermer les yeux. Fermer les yeux pour de l'argent. Je suis resté comme ça. Ah. Fermer les yeux pour de l'argent. Malheureusement, nous ne le disons pas toujours. On ne nous le dit pas toujours. Mais la vérité, c'est que la plupart se comportent déjà comme ça. C'est ça la vérité. Pourquoi dans nos églises, on loue le riche, on rabaisse le pauvre? Et quand on prêche, on dit, chez nous ici, tout le monde est pareil. Attention, il est de ces gens, s'ils appellent pasteur, le pasteur à 3h du matin, même madame pasteur dira, vas-y seulement. Mais il en est d'autres, si elle appelle à 1h, elle aussi, elle ne sait pas que tu as des enfants, tu dors. Hey, c'est quoi ça? Vraiment, pandémie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Deux poids, deux mesures. Et la planète Terre a toujours fonctionné comme ça. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, Église, sois révolutionnée. Change ta manière de prier. Change ta manière de t'auto-considérer. Quand tu changeras la manière de te voir, tu iras chez Dieu. Tu lui diras, Seigneur, regarde ce que je fais. Regarde ce à quoi je pense. Regarde ce que j'ai comme projet. Arrose ces projets pour que la bénédiction de Dieu habite aussi dans ma maison. Dis à ton voisin, c'est possible. Non, dis-le lui très bien, c'est possible.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les réunions de loges de Rose-Croix ou de Maïkari et de franc-maçonnerie sont des réunions huppées. Mais les réunions des serviteurs de Dieu sont des réunions happées. Pourquoi? Très réduit. Très réduit à sa simple expression. On sait déjà qu'à la fin, tout le monde ira attendre le bus. Donc même le chauffeur du bus sait qu'à cette heure-là, j'aurai des clients. Mais dans les réunions de la franc-maçonnerie, le chauffeur du bus évite même de passer par là parce qu'il y a un bouchon. Et c'est comme ça que le monde ne nous considère pas. J'aimerais vous le dire de la part de Dieu. La plupart ici, il y en a qui ont un potentiel, mais qui n'arrivent pas à croire au potentiel que Dieu leur a donné. Le Seigneur n'opérera pas un miracle en dehors de ce que tu sais faire. Il a posé la question à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, j'ai une verge. Dieu ne lui dit pas, jette le serpent par terre. Non, il dit, jette la verge. Et c'est quand Moïse jette la verge, que la verge sort une capacité que Moïse ignorait. Mais avant que la capacité que Moïse ignorait ne ressorte de la verge, il fallait que Moïse se rende compte qu'il a une verge entre ses mains. Et si je te pose la question à toi, qui est en train de prier, qui est en train de soupirer après l'onction de Dieu, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Que me diras-tu? Quel est le potentiel que tu possèdes? Que me diras-tu? Que des gens dans l'église, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui s'appellent au ministère à cause de la pauvreté. Un monsieur sans scrupules me disait, prophète, mon fils ici, j'ai tout essayé, rien ne marche. Est-ce qu'il ne peut pas devenir pasteur? Donc le monsieur sous-entendait que nous autres, nous servons Dieu parce que nous avons échoué dans la vie. Malheureusement, c'est l'impression que nous donnons. Je suis allé rencontrer un homme qui était proche du pouvoir, gouverneur d'une province de chez nous. Un homme très riche. Quand je viens le rencontrer, je suis en costume, cravate. En tout cas, j'étais bien habillé, ne vous en faites pas, je vous avais fait honneur. On est venu avec un autre pasteur. Et puis il dit, vous êtes prophète? J'ai dit oui. Il dit, mais les prophètes ne sont pas comme vous. J'ai dit, ils sont comment? Il m'a dit, non, les prophètes, quand ils viennent directement, c'est donner les offrandes. Et puis ils mettent beaucoup de produits pour devenir clair. Je lui ai dit, monsieur, le prophète n'est pas un état physique. C'est un état spirituel. Mais entre nous, la différence dépend du niveau d'instruction, d'éducation et de la famille de laquelle on est issu. Directement, il dit, ah, il a commencé à me poser des questions politiques avec l'ami et on lui a répondu en faisant même des prévisions politiques. À la fin, il nous pose la question, finalement, vous êtes venu parler de Dieu ou de la politique? On lui dit, pourquoi? Il dit, mais vous êtes meilleur politicien que moi. On lui a dit, non, Dieu fait ça. Écoutez sa dernière réponse, il dit, ah, je n'ai jamais su que sur le champ de l'évangile, il y avait aussi des hommes intelligents. Donc lui dans sa tête se disait déjà, quand je rencontre un prophète, je dois préparer une offrande. Parce qu'il est venu pour l'offrande. À la fin je lui dis, monsieur, nous ne sommes pas venus pour ton offrande, on n'en prendra même pas. Et je le dis clairement, c'était sans regret. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que cet évangile là d'aller chez quelqu'un sans transport de retour et d'attendre qu'il vous paye le ticket, c'est l'évangile des pauvres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Aujourd'hui, nous sommes derrière tout le monde. Alors que pour la Bible, on devrait être devant. Moïse a fait la politique. David a fait la politique. Salomon en a fait. Esaïe en a fait. Ézéchiel a eu un impact politique en son temps. Élie et Élisée ont fait de l'opposition politique. Et Dieu a été avec eux. Est-ce qu'on me comprend? Et pourquoi pas toi? Vraiment, nous, notre pays, quel jour ça va changer? Mais toi, tu es un facteur de changement. Tu es un vecteur de changement. Donc, Dieu peut aussi passer par toi pour changer les choses. Un jour, j'étais en train de prier, mes amis. Je priais pour le continent Afrique. Et j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi tant de souffrances? Il m'a dit, les souffrances que vous endurez dans la plupart de vos pays, c'est dû à ce que vos églises enseignent. J'ai dit, Tcheleka, c'est quoi cette histoire? Il dit, même dans vos églises,
Vous avez déjà dit à vos fidèles que aller en Europe est une promotion. Que aller aux États-Unis c'est une promotion. De deux, il dit, vous vous êtes déjà mis en tête que vous ne valez rien et que vous êtes déjà des pauvres gars. Il m'a dit, c'est ce que vous prêchez à vos fidèles. Alors que moi, Dieu, je ne descendrai jamais de mon trône pour changer le système. C'est à vous de le faire. Et Dieu dit, lorsque vous ne criez pas à moi pour que le système change, je ne peux pas faire de l'ingérence dans des affaires humaines. Dis à ton voisin, donc Dieu t'attend. Oh, dis-le lui bien, Dieu t'attend. Alléluia. Alléluia. Tu es quelqu'un sur qui la main de Dieu repose. Et la Bible dit, dans le chapitre 20 d'Exode que nous avions lu, j'aime bien la phrase, il dit, je suis un Dieu jaloux. El Shaddai est un Dieu jaloux. Lorsqu'on dit un Dieu jaloux, ça veut dire que c'est un Dieu qui se bat pour garder, pour préserver sa possession, pour préserver ce qui lui revient. Donc ce n'est pas une jalousie négative, mais c'est une jalousie positive. Dieu est jaloux de toi parce que ce qu'il a déposé en toi, c'est la chose qui lui permettra d'être connu. C'est la chose qui permettra à certains de se rapprocher de lui. C'est la chose qui permettra à ce que les hommes du monde puissent se tourner aussi vers ton Dieu. Donc toi, tu es l'investissement de Dieu sur cette terre. Tu n'es pas, c'est pourquoi tu n'as pas besoin de vivre dans l'impudicité. Parce que tu es en toi-même un investissement divin. Et la Bible dit dans 2 Pierre 1 qu'il nous a donné tout ce qui contribue à notre piété. Et j'aime bien la Bible dit, et celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça veut dire qu'il est de ces promesses qui ne sont pas précieuses. Et finalement la Bible dit, nous sommes participants à la nature divine. C'est-à-dire que les gens sauront qui est Dieu en voyant qui nous sommes. Notre pauvreté rappelle le Dieu auquel nous avons cru. Malheureusement, c'est ça la vérité. Pourquoi est-ce que certains, nous étions dans une réunion avec Mike Murdoch. Ce monsieur est un blanc, mais un blanc blanc. Pas un blanc blanc. Blanc blanc. Donc quand il est passé, j'étais à l'époque avec l'apôtre Guy Necham. Il m'a dit, petit, tu as vu un blanc? J'ai dit, vieux, un blanc blanc. Donc même le tissu de son pantalon était bien. Et il parlait tout doucement, people of God, God bless you. Mais quand il dit God bless you, c'est tout le stade qui criait. On ne criait plus amen à cause de l'onction. Non. Mais parce que en voyant l'homme, en sachant qu'il est venu à Kinshasa avec son jet privé, on disait amen pour que sa situation puisse aussi nous contaminer. C'est pourquoi même la bénédiction d'un pauvre, les gens ont du mal à dire amen. Quand un pauvre te dit tu es béni, mais avant de dire amen, tu le regardes. J'ai vu un fidèle dire à son pasteur, toi tu me bénis, mais je crois que c'est plutôt toi qui as besoin de bénédiction. Et je vais t'en donner un peu. Ça fait peut-être rire, mais ce sont des réalités. Et des réalités qui, lesquelles, pardon, de plus en plus, sont en train de baisser l'impact de l'église. Sont en train de baisser l'impact de l'évangile. Pourquoi est-ce que nous passons notre temps à nous entre-déchirer? Il a pris mes fidèles. Ah, il m'a volé un fidèle. Il m'a volé un partenaire. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Parce que nous dirigeons des églises pauvres avec des gens bien habillés. Parce que nous dirigeons des églises pauvres où les gens murmurent quand il s'agit de donner à Dieu. Si ton Dieu ne vit que des résidus, c'est déjà un problème. C'est pourquoi quelquefois il faut changer ta manière de voir. Un jour à l'église, j'ai dit que chacun sorte l'enveloppe de son offrande. On a sorti, tout le monde a sorti l'enveloppe avec force. J'ai dit maintenant, sortez l'argent de l'enveloppe. Ne pliez pas. Gardez l'offrande bien droite. C'est comme si vous aviez dit à des joueurs de football d'enlever leurs bottines en public.
Donc voyez vraiment des frères qui étaient là. J'ai dit tout le monde, sortez, que chacun sorte l'argent de l'enveloppe, présentez ça à Dieu. Maintenant dites à votre voisin, voici ce que j'ai apporté à Dieu. Vous allez voir une grande dame avec des bijoux, mais elle a amené 2 euros. J'actualise ici. Une grande dame avec des bijoux et tout, une belle voiture dehors, elle a apporté à Dieu 50 cents. Et c'était un scandale. On s'est posé la question silencieusement. En tout cas, moi, je me la suis posée dans mon cœur. Donc, c'est ça le niveau que ces gens prêtent à leur Dieu. Malheureusement, pasteur, c'est ça les gens que nous dirigeons. Et s'ils sont comme ça, c'est à cause de nous. C'est parce que nous leur avons pas dit la vérité. Il y a des gens qui pensent que quand ils payent leur dîme, le pasteur a un ascenseur où il va mettre la dîme et puis ça va chez Dieu. Dieu se cache dedans. Ça va chez Dieu ici. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc donne-moi un amen et bien. Malheureusement, je disais, c'est ça l'église. Et c'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes devenus une honte. Il est temps qu'on relève la tête. Et il est temps que le monde sache que notre Dieu Tout-Puissant est capable de beaucoup. Un jour, j'ai eu mal au cœur parce que un gars du Maïkari nous a dit avec un ami, d'ailleurs, vous, à part parler en langue, vous avez quoi? Il dit, vous me critiquez ici, que moi je suis dans l'occultisme. D'abord, vous avez faim. Vous attendez qu'on prépare pour que vous mangez. Et on va préparer, c'est moi qui ai acheté les repas. Maintenant, vous, à part parler en langue, vous avez quoi? Et puis, il nous imite, il dit, vous, et quand vous avez fini de faire, à la fin, vous avez faim. Est-ce que vous imaginez un peu le tableau? Donc vous shindababé, vous rokobabé, vous karamakaremema, kentaraka santara, mais à la fin, vous aurez faim, vous avez soif, vous allez encore revenir chez l'occultiste pour lui dire, ah, est-ce qu'on n'a pas préparé? Parce que vraiment j'ai un petit creux là. Quand il vous donne à manger, au fond de lui, il a envie de vous dire, mais allez manger vos shindababa, vos rakababa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Permettez-moi de parler. Et cette mauvaise conception que nous avons dans l'église, moi je ne vais rien faire parce que je sers Dieu. Qui vous a dit que Jésus priait 24 heures sur 24? Je suis appelé à temps plein. Ondoro mama, Dieu m'a appelé à temps plein. Je ne vais rien faire dans ma vie. Je ne vais pas faire des affaires. Je ne vais pas. Pourquoi est-ce que nous devenons aigris? Parce que nous dépendons trop de nos fidèles. Et quand quelqu'un te prend un fidèle, en réalité, tu commences à voir un manque à gagner. Aïe. Vrai ou faux? Un homme me disait, il a pris mon fidèle. J'ai dit, mais en fait, dis-moi, qu'a-t-il donc d'extraordinaire, ce fidèle? À la fin, il dit, c'est quand même lui qui a amené 2 000 $ chaque mois. Non, en fait, il ne lui a pas pris le fidèle. Il lui a pris la poche de laquelle sortait 2 000 $. Et c'est à ça qu'on est réduit. Il faut que ça change. Et ce que je voudrais qu'on fasse ensemble ce matin, nous allons prier. Chacun de nous va se révolter contre sa situation. Bien-aimés, refusez la contentologie. La contentologie, c'est une science qu'on enseigne dans les églises, qui veut dire, soyez content de ce que vous êtes et de ce que vous avez, ne cherchez pas plus. Donc refusez la contentologie. Ne soyez pas content de ce que vous êtes. Ne soyez pas content de ce que vous avez. Cherchez plus. Est-ce qu'on me comprend? Je dis bien chercher plus. Amen ou pas amen? Un frère vient me voir, il dit, prophète, cette fille-là, j'avais les yeux sur elle. Maintenant, quelqu'un l'a pris vraiment. Ah, Dieu m'a trahi. Je dis, mais pourquoi tu n'es pas allé lui faire la cour alors? Avant, écoutez le frère. Quand je la regardais vraiment, est-ce qu'elle pouvait lui-même dire, est-ce qu'elle allait m'accepter? Donc même la conviction s'arrête en chemin à cause de la pauvreté. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc même la conviction s'arrête en chemin. Bien-aimé, les gens chercheront à connaître ton Dieu lorsqu'ils verront ce que ton Dieu a fait dans ta vie. Je
je ne suis pas venu vous promettre la richesse. Parce que moi-même, je n'en ai pas. Amen. Mais comme vous, je travaille. Je pousse les gens à ce que, et moi, et eux, un jour, nous devenions des exemples de la bénédiction. C'est pourquoi moi, j'aime bien la mentalité anglo-saxonne. Vous savez, le bishop a aidé pour A4 jet privé. Et quand on a mis ça sur Facebook, un bon frère écrit, tout ça, ce sont des choses du monde. Ça va passer. 4 jets, pourquoi? Pourquoi il ne vend pas 2 jets pour les pauvres? Moi, maintenant, je suis intervenu. J'ai dit, toi, depuis que tu es frère, tu as déjà enrichi combien de pauvres? Et un autre frère qui intervient pour dire, sur les 4 jets, lui n'en a acheté que un. Les 3 autres lui ont été remis par des fidèles à l'occasion des fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'on va offrir au pasteur? Jet. Dans les églises, pareil, tout le monde a envie d'être pasteur. Hein? Même celui qui n'a pas d'appel dit, pauvre, quand je dors, je rêve toute la nuit. Sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est possible d'être honnête et d'être béni. Il est possible de vivre dans la sanctification et d'être béni. Il est possible de ne pas user de mensonges, mais de croire que Dieu bénira ta semence. Je dis bien, Dieu bénira ta semence. Je répète encore, Dieu bénira ta semence. Je le dis encore, Dieu bénira ta semence. Dieu bénira tes avoirs. Dieu bénira le peu que tu as. Dieu bénira les idées que tu as. Dieu bénira ce que tu penses faire afin de devenir ce que lui voudrait que tu sois. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel est une condamnation pour nous à la mesure où nous travaillons pour que cela soit ainsi. Et je déclare sur quelqu'un ce matin que ta pauvreté est en train de descendre à la gare ce matin au nom de Jésus. Et que ta pauvreté ne va pas survivre à ce culte. Que ta pauvreté ne doit pas survivre à ce moment. Que ta pauvreté, ta oisiveté, ta passivité ne doivent pas survivre à ce moment au nom de Jésus. Sors d'ici avec des idées transformées. Sors d'ici avec des idées transformées, avec des idées changées. Commence à travailler pour ton avenir. Qu'un jour, les autres soient aussi bénis au travers de toi. Qu'un jour, tes enfants soient bénis parce que toi, tu as travaillé. Qu'un jour, tes petits-enfants soient bénis parce que la main de Dieu était sur toi. Il est écrit dans la parole, je te bénirai jusqu'à la 1000e génération. Mais généralement, nous avons des bénédictions qui ne s'arrêtent qu'à notre génération. Quand nous mourons, c'est fini. Les enfants sont en débandade. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? N'entrons pas dans des fausses bénédictions. Entrons dans des bénédictions qui demeurent. Un jour, même si tu n'es pas là, comme un jeune homme me disait, papa est mort, mais vraiment, il est mort. Et puis je le regarde, tout à coup il dit, oh, mais papa... Il est mort, mais il nous a laissé quelques millions. Ouh. Donc on a pleuré papa parce que mort. Mais on a aussi pleuré parce qu'il a laissé quelque chose. Mais des fois, quand on vous dit, votre papa est mort, votre maman est mort, d'abord vous pleurez, vous dites lui aussi, il ne pouvait pas attendre un peu. Il meurt quand je n'ai rien. Je vais contribuer comment? D'abord, il n'a rien laissé. Et puis, il se donne le luxe de mourir encore en plein hiver. Combien d'entre nous, est-ce que nous ne le disons pas sous cap? Vrai ou faux? Non, répondez-moi, vrai ou faux? Vrai. Et après nous disons que nous prions. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est tout puissant. Il est capable, il pourvoit. Il est capable de changer ta situation. Mais il ne la changera jamais sans utiliser la manivelle de ta main. Jamais. Pour que Dieu change ta situation, il doit commencer par changer le mouvement de ta main. C'est si ta main pose des actes que Dieu les utilisera pour ta bénédiction. Ne sois pas en train de prier 20 heures sur 24 et à la fin tu crois que Dieu va ouvrir les cieux. Non, il ne le fera pas. Est-ce qu'on m'a compris? Et finalement, j'aimerais conclure en disant, le nom de El Shaddai, d'après le Talmud, ça veut également dire celui qui dit à son monde assez. Donc celui qui sait faire taire les palabres, celui qui ramène tout le monde à une obéissance complète et parfaite,
celui qui dit et la chose arrive. Mais Dieu dira difficilement une chose à laquelle nous-mêmes nous ne croyons pas. Vous voulez être des bons évangélistes? Vous avez besoin d'argent. Vous n'irez pas dans certains coins sans argent. Jamais. Jamais. Si aujourd'hui on distribue les petits Gédéon dans les hôtels, dans les hôpitaux, c'est parce qu'il y a des gens qui donnent l'argent pour que cela soit fait. L'évangile gratuit est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous tenons nos réunions dans des grandes salles, il arrive que rien que pour une seule réunion de 3 heures, qu'on paye 1500 euros. Et côté instrument et tout, 1000 euros, 2500 euros. Mais vous savez, la vérité, c'est laquelle? C'est que souvent, quand nous faisons ça, en tout cas pour ma part, je supporte ce budget-là aux trois quarts. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, vous êtes là, vous prenez notre argent. Je leur ai dit, allez voir, dans ce travail, personne ne donne plus que moi. Personne. L'administrateur de notre église était là. Il peut vous le dire. Personne ne donne plus que moi. J'ai appris une chose dans ma vie. À travailler, malgré que je suis un homme de Dieu. Mais à travailler aussi pour que je sois béni. Donc j'ai appris à travailler aussi pour ma propre bénédiction. Si aujourd'hui je meurs, l'église se trouvera un autre pasteur. Ils vont oublier ma femme et mes enfants. Je suis conscient. Mais si aujourd'hui moi, je travaille pour eux, je travaille aussi pour Dieu. Même si je meurs, au moins ma femme et mes enfants pourront dire, notre papa a servi Dieu dans la fidélité et le Seigneur est encore en train de se souvenir de nous. Bien-aimés, pourquoi est-ce que des fois nous n'encourageons pas nos enfants à devenir des pasteurs, à devenir des prophètes? Parce que nous savons ce que nous endurons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous savons ce que nous endurons. Nous savons ce que ça nous coûte. Et nous savons des fois les larmes avec lesquelles nous sommes en train de bâtir. Et nous ne voulons pas que nos enfants bâtissent avec leurs larmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, c'est possible. Bien-aimé, c'est possible parce que Dieu le fait également. Je t'ai parlé ce matin parce que je voulais te révolutionner. La prophétie que je t'apporte d'abord à toi ce matin, c'est de savoir une chose. Ta vie changera à la mesure où toi tu travailleras pour cela. Et si tu ne travailles pas pour cela, ça ne changera pas. Et quand tu travailles pour cela, bien-aimé, travaille également à ce que ta bénédiction dure longtemps. Ne travaille pas pour que ta bénédiction ne dure qu'un instant. Travaille pour qu'elle dure longtemps. Travaille pour qu'à ton tour, les gens ne disent pas de toi, à un moment il avait aussi l'argent, hein? Maintenant il n'a plus rien. Non. Pourquoi seulement nous? Pourquoi est-ce que ça doit n'arriver qu'à nous? Bien-aimé, j'aimerais dire, si le bien arrive aux autres, notre Dieu c'est le Père du bien. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais que tu regardes un peu ta main. Regarde ta main, regarde ta main. Regarde ta main. Dis à ta main, tu m'apporteras ma bénédiction. Dis-le-lui. Donc, regarde ta main et dis à ta main, tu m'apporteras ma bénédiction. Ta bénédiction va dépendre de ce que ta main va te donner. Ta bénédiction va dépendre de ce que ta main va exécuter comme travail. J'aimerais que la main tendue devant, que chacun de nous puisse prier pour lui-même. En disant, Seigneur, je déracine toutes les paroles de défaite. Je déracine toutes les paroles qui m'ont dit que je ne pouvais pas aller de l'avant. Je déracine toutes les paroles qui m'ont dit que moi j'étais inéligible à la bénédiction de Dieu. Commence à prier pour cela. Prie pour cela, prie pour cela. Alléluia. Prie pour cela au nom de Jésus. Tu pries avec foi. Tu pries avec foi. Car le Seigneur va ouvrir les portes. C'est la parole qu'il avait déposée dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, je prie pour la bénédiction qui se trouve sur ma main.
Je prie pour ma main, afin qu'elle soit le canal par lequel Dieu me bénira, afin qu'elle soit le canal par lequel la grâce de Dieu viendra dans ma vie, afin qu'elle soit le canal par lequel la main de Dieu se posera sur moi. Éternel, tu as dit, je te bénirai jusqu'à la millième génération. Éternel, mais généralement pour nous, nos bénédictions s'arrêtent à notre génération ou à la génération de nos enfants, si pas moins. Seigneur, nous te prions ce matin. Nous réclamons ta grâce, ô Dieu. Nous réclamons, Seigneur, une œuvre puissante de ta part. Nous réclamons, Seigneur Jésus, que tu étendes tellement ta main que nous portions tous un témoignage vivant de ce que notre Dieu est capable. Que nous portions un témoignage vivant de ce que notre Dieu est capable de faire. Seigneur, tu es capable d'accomplir des grands miracles. Tu es capable de guérir des malades. Tu es capable de faire entendre les sourds, de faire marcher les paralytiques. Tu es capable de redonner la voix aux muets. Tu es capable de guérir même les gens qui ont le sida. Seigneur, mais tu es aussi capable de nous bénir. Tu es aussi capable de nous bénir. Tu es capable de nous aider afin que nous soyons des vecteurs de changement pour nos pays, des vecteurs de changement pour notre environnement, des vecteurs de changement pour le futur des autres. Seigneur, tu n'agiras jamais, jamais sans l'homme. C'est pourquoi ce matin nous te prions, ô Dieu. Est-ce qu'on peut garder un moment silence, la main toujours devant? Je vais prier Dieu. J'ai cette foi-là que le Seigneur va faire quelque chose. Tends tellement seulement ta main devant. Il y a des gens qui auront l'impression qu'on est en train de poser quelque chose de lourd sur leurs mains. Il y en a d'autres qui auront l'impression qu'il y a comme de l'eau qui est en train de couler sur la main. Il y en a dont les mains vont commencer à trembler. Je prie Dieu que la bénédiction financière s'attache. Je prie Dieu que des choses qui étaient autrefois impossibles en termes de planning, en termes de réflexion, de pensée, d'idées, que ça devienne maintenant possible. Seigneur, tu m'avais dit que le diable voudrait envoyer ses sbires dans nos églises pour nous donner l'argent afin de bien nous corrompre et de corrompre l'évangile. Seigneur, nous avons dit non. Tu m'as dit, Francis, alors porte ce message et apporte-le partout. Dis aux hommes et aux femmes que l'Église, c'est leur responsabilité. Seigneur, je te prie ce matin de bénir ces serviteurs, de bénir ces servantes. Seigneur, nous sommes tous des serviteurs et tous des servantes à la mesure où, avec l'œuvre de nos mains, nous te servons. Et à la mesure où, Seigneur, nous voyons ta grâce sur nous. Éternel notre Dieu, tu me montres une vision en ce moment. Dans cette vision, je suis en train de voir un long couloir. Mais chaque étape de ce couloir-là comporte des portes. Seigneur, et je vois ces portes commencer à s'ouvrir. Il y a des gens qui ont entrepris sans jamais réussir. Il y a des gens même qui ont eu l'argent, mais qui n'ont pas eu les idées qu'il fallait pour triompher. Il y en a qui ont eu les idées, qui ont commencé à travailler leurs idées, mais qui ont toujours connu des embûches, des blocages et des peaux de banane sur leur chemin. Seigneur, je te prie, éternel Dieu, d'étendre ta main sur eux. Celui sur qui reposait une parole de malédiction, une parole de pauvreté, nous venons annuler cela. Nous venons annuler cela. Nous venons annuler cela. Celui sur qui il avait été dit qu'il ne peut pas évoluer, nous venons annuler cette parole. Nous venons révoquer cette parole au nom de Jésus. Nous révoquons tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Nous révoquons les pensées qui ne sont pas fertiles. Nous révoquons des idées improductives au nom de Jésus. J'ai dit, nous révoquons les idées improductives au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous sommes tes prophètes. C'est pourquoi ce matin, nous déclarons la bénédiction. Il y a quelqu'un ici qui a 3 enfants. Lui-même est issu d'une famille qui avait été très bien à un certain moment. Mais depuis, il n'y a presque plus rien dans cette famille. Le Seigneur est en train de me dire à cet homme, c'est un homme, de lui dire ce matin,
sache que tu vas monter et tu vas monter très haut. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur me dit de te dire, ce qui a manqué à ce membre de famille qui représentait une fierté financière pour la famille, c'était la discipline. Mais Dieu dit, toi demeure discipliné. Demeure discipliné et tu verras ce que je ferai avec toi. C'est une parole que le Seigneur adresse à quelqu'un. Il y a une maman qui est à ma gauche. Le Seigneur est en train de me dire que dans ta famille, tu es parmi les colonnes aujourd'hui, tu es parmi les piliers, tu es parmi les gens qui soutiennent. Mais toi-même, tu sais que le soutien que tu leur apportes, c'est à prix de dur labeur. Et le Seigneur me demande de te dire ceci. Sois seulement sage, sache aussi épargner. Parce que j'ai vu que tu as du mal à épargner. Le Seigneur m'a dit épargne, épargne, épargne. Parce que le diable est en train de te guetter. Le diable est en train de te guetter. Je suis en train de voir en vision une image. Dans cette image, je suis en train de voir un homme qui est en train de soulever des vêtements, qui est en train de lever, de soulever des vêtements, et il les laisse tomber. Il soulève des vêtements, il les laisse tomber. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a quelqu'un qui est dans la salle et qui est dans le commerce des vêtements, qui est dans le commerce des habits. Mais ça ne marche pas très fort. À chaque fois qu'il vend, il a l'impression que non seulement le capital ne lui est pas retourné, mais il est obligé de compléter encore de l'argent pour atteindre le même capital. L'Esprit de Dieu m'a donné une parole pour toi. Il m'a dit de te dire que quand tu vas rentrer à la maison, prie sur ta marchandise et prie encore sur tes mains afin que plus rien ne puisse voler ton argent. Qu'il n'y ait ni dépense exagérée, qu'il n'y ait pas de détournement de ce qui est à toi au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, pasteur Douglas, qu'il va vous donner des partenaires forts dans cette église. Qu'il va vous donner des partenaires puissants dans cette église. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. L'Esprit de Dieu me dit également, je suis en train d'aller vite à cause du temps. L'Esprit de Dieu me dit également, il y a des gens ici qui ont reçu des dons. Et je vois particulièrement un don dans les guérisons. Et je vois le Seigneur me dire, et je l'entends me le dire, que il y a Francis, le problème c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de douter d'elles-mêmes, qui sont en train de douter de leur propre capacité à monter, de leur propre capacité à réussir. C'est vrai, mais il est important qu'ils sachent que leur capacité, non seulement qu'ils ne doivent pas en douter, mais ils doivent m'associer à cela, car c'est moi qui vais les bénir au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Père de gloire, merci Seigneur, que des projets s'ouvrent, que des idées s'ouvrent, que les finances s'accroissent, que les opportunités de bénédiction se multiplient. Là où il y avait une résistance, que la résistance saute. Là où il y avait une résistance, que la résistance saute. Que cette église de laquelle tu m'as parlé puisse entrer dans une bénédiction financière. Que les fidèles soient bénis, même ceux qui nous ont visités qu'aujourd'hui, qu'ils soient eux aussi bénis parce qu'ils ont cru en cette parole. Père, avec le Saint-Esprit, je respecte la parole que tu m'as donnée. Et je déclare la bénédiction des moines. Je déclare la bénédiction des enfants de Dieu. Et enfin, je déclare la bénédiction des saints. Vous êtes tous bénis. Je dis, vous êtes tous bénis. Et que la main de Dieu vous comble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur et nous disons Amen. Amen.